When I woke up, I was all alone. Everyone's gone. Is it because of those monsters? What do I do now? Do I fight and live? Or do those monsters get me? I don't have any reason to go on living. But I'm scared to die. I'm so afraid of pain. Should I run away? I want to find somebody. I don't like being alone, but is there anyone left alive? Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une petite vidéo sur Silent Hill 2. Alors enfin petite, non en fait je vais vous expliquer, dans Silent Hill 2, du moins dans la version PC, il y a un scénario bonus qui, si je me souviens bien par contre, est assez court, donc normalement en deux épisodes ça devrait être possible de le faire. Donc on va s'y attaquer. Et donc scénario qui s'intéresse un peu au personnage de Maria. Et le scénario s'appelle donc Born from a Witch, traduction né d'un souhait en gros. On pourrait appeler ça, eux, ils l'ont traduit en français, né de l'imaginaire, mais alors qu'en réalité, ce serait plutôt born from a wish, wish, c'est plutôt souhait. Alors genre, souhait comme avec les génies, en gros. Donc, scénario. Comme il est assez rapide pour pas trop traîner, je l'ai fait une première fois hier pour essayer de... Donc, aujourd'hui, on est le 15, si je me souviens bien. 16, raté. 16, donc je l'ai fait hier pour essayer de... pour pas trop traîner en fait, pour éviter, parce que comme ça dure que 40 minutes, que c'est assez court, j'aimerais pouvoir finir ça en deux épisodes. Donc normalement, je vois à peu près où je vais faire ma pause, comme ça... ça va permettre de faire des épisodes normalement à peu près équilibrés. Et ça va permettre aussi d'avancer assez rapidement. D'éviter de prendre une semaine de plus là où normalement il n'y a besoin que d'une petite semaine pour finir ce jeu, parce que après, une fois qu'on aura vu cette vidéo, qu'on aura fini ce petit scénario, donc qui dure à peu près une quarantaine de minutes comme je l'ai déjà dit, et bien ce sera notre dernier séjour à Silent Hill, du moins pour le 2. Et puis bah après on y reviendra à l'occasion du à l'occasion du 3, tant qu'à faire on va les faire dans l'ordre. Troisième épisode de Silent Hill que je ne sais pas quand je ferai d'ailleurs, pas tout de suite parce que le 3 franchement, on va dire que le 2 côté monstre est encore fin est encore plus énervant que le 1, et bah le 3 a trouvé le moyen limite de faire encore pire. Enfin non, pas vraiment. On va dire que le 2 c'est quand même la pire, parce que je vous avouerai comme ça que la fin, que toutes les fins en fait, je réussis super facilement à les avoir, que ce soit la fin UFO, la fin Dog, la fin Rebirth, la fin Live, la fin Inwater. Il n'y en a qu'une qui à chaque fois m'énerve, que j'arrive jamais à la faire, que je ne comprends pas pourquoi, et que je mets des plombes, des tas d'essais à la faire, c'est la fin Inmaria. La fin Maria. Et ne voyez absolument aucun sous-entendu malsain dans ce que je viens de dire. C'est juste que ma langue a fourché. J'avoue que la fin Maria, à chaque coup, j'ai un mal de chien à l'obtenir, et que du coup, à chaque coup, ça m'agace un tout petit peu. Oui, donc comme bien sûr je vous ai dit, j'ai regardé une petite soluce, donc du coup dans la ville j'évite de trop me disperser, et du coup j'essaye de courir rapidement
au niveau de l'endroit où l'on doit aller. En fait, toutes les rues sont bloquées. Là, il n'y a pas. Donc, on n'a vraiment qu'une seule option. Mais donc, plutôt que je vous montrer, tiens, cette rue est bloquée, cette rue est bloquée, cette rue est bloquée, je cours directement au seul endroit qui est ouvert. Parce que je vous avouerai que la première fois qu'on est largué dans ce truc, on est un peu paumé. Parce qu'en fait, tout est bloqué et l'endroit où il faut aller, si je me souviens bien. Attendez. On y est presque. On voit mon couteau, ouais. Mon couteau, c'est dans cette zone-là à peu près qu'il faut aller. Il y a une porte qui est ouverte et qui nous permet d'accéder à un bâtiment qu'on n'a jamais eu l'occasion d'explorer avec James. Donc, prochain croisement, on le prend pas et ensuite on cherche une porte sur la droite. Le prochain croisement est là. Et donc, techniquement, voilà. En fait, on repère que c'est cette porte où il faut aller grâce à la tâche de sang, techniquement. Mais j'avoue que la première fois, t'as tendance à tourner un peu beaucoup. Ok, bon, je me suis totalement craqué. Donc on regarde, il me dit qu'il est mort. Merci Captain Obvious. Ah oui, bien sûr, là je me suis mis en niveau d'action normal. Vous me connaissez, j'évite de faire en difficile parce que d'habitude mes jeux, j'avoue que je les fais en difficile. Mais en commentant, d'une part, ça complique un peu la tâche. Pour un gameplay à peu près propre. Et ensuite, c'est pas pour dire, mais. Et puis, après, facile, c'est pas pour dire, mais bon, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien, il y a juste. C'est vraiment si je voulais juste montrer le scénario, et là, franchement, non, merci. Moi, rouler sur les ennemis, franchement, ça me dérange un peu. Donc, là, on voit qu'il y a eu. Comme d'habitude, dans la ville, j'ai évité tous les ennemis, j'ai juste tiré 2 balles de pistolet. Je vais là, et je vais recharger mon arme. 8. Recharger, voilà. Et donc, je voulais rajouter un truc, mais j'ai totalement oublié quoi. C'est dingue ça. Donc, on voit qu'on arrive dans un nouveau bâtiment qu'on n'a jamais eu l'occasion d'explorer et où on n'a pas de clé. Ah. Donc, on va l'explorer à l'ancienne, c'est-à-dire on essaye chaque porte. Parce que là, par contre, je ne m'en souviens pas des portes qu'il faut ouvrir dans ce bâtiment. Il est grand en plus. Et ça va être dans ce bâtiment que va se passer la quasi-totalité du scénario. On évite d'effacer la sauvegarde du jeu, parce qu'il faut encore que je fasse quelques fins. Donc, c'est pas pour dire, mais alors si je fais la sauvegarde par-dessus, je pense que ça me fera un petit peu... Ça me fera un petit peu agaçant, on va dire ça comme ça. Impossible à verrouiller, ouvrir, c'est verrouillé. Je crois avoir vu une trousse de soins par là tout à l'heure quand je suis passé à côté de la porte. Voilà, trousse de soins, balle de revolver. Et il y a un petit document par là. Voilà. Ah bah c'est un plan, ça va être pratique. J'ai la carte de la maison Baldwin. Maison Baldwin, donc, qui est l'endroit où l'on se retrouve pour quasiment tout. Donc, vous voyez quand même, ils mettent maison Baldwin, mais c'est quand même très grand comme endroit. Donc là, on remarque qu'on peut aller par ici. Impossible d'ouvrir cette porte. Et donc... Ici, on va peut-être aller finir des... Je vais finir juste d'explorer le rez-de-chaussée avant, parce que ce serait quand même bête de laisser des trucs en arrière juste parce qu'on a la flemme de refaire un petit demi-tour pour le vérifier si quelques portes sont ouvertes. Donc ensuite, on avait cette porte, verrou cassé, donc ça coûte rien, et verrou cassé, on peut pas y aller. Donc on est obligé de monter à l'étage. Bon tant pis. Donc du coup, petit demi-tour qui ne servait à rien, mais bon. Donc, on passe par là et on monte cet escalier.
Attendez, je crois qu'il y a des trucs ici. Balle de revolver. Je crois que ce sera beaucoup plus que ce dont on aura besoin pour ce jeu. Parce que, bon, je crois que le revolver pour ce scénario sera la seule arme qu'on aura tout au long du jeu. De même que le couperet sera la seule arme qu'on aura en arme blanche. Is somebody there? Open up. Hello? Stop it. You're disturbing me. Thank God. I finally found somebody. Can you open the door? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh, I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? There's no one here. Just monsters. Yes, I know. But so what? It has nothing to do with me. No one here means there's no one to disturb me. You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly. But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us, hopelessly insane. Are you satisfied? Would you leave me alone? My name is Maria. What's your name? Ernest. Humor. Hemingway. Baldwin. Ernest, I'll be back. Donc là, on vient que de croiser un nouveau personnage qui reste derrière une porte. Certes, c'est un moyen Ernest, de vie. Et qui fait qui a sorti un truc qui est pas mal. Que bah, en fait, ce scénario se passe avant le. Oui, je sais pas si je l'ai dit, mais ce scénario en fait se passe avant le scénario de James, le scénario principal. Donc la lettre de la lettre, je crois que le nom du scénario principal, c'est une lettre de Silent Hill. Et donc voilà, ce truc se passe avant. Bon, verrou cassé. Et s'intéresse donc un peu au personnage de Maria, qui, je vous le rappelle, est donc un personnage qui est, qu'on apprend à la fin de Silent Hill 2, qui est complètement sorti de la psyché de James. Tiens. C'est-à-dire, on va dire que le titre du scénario est un spoil en soi-même. Je vais essayer l'arme blanche parce que j'ai jamais essayé en fait. Oh puis non en fait, comme on a assez de munitions, je pense que je reste au petit revolver. Le seul truc avec le petit revolver, c'est que voilà, faut pas aller trop loin parce que sinon, j'adore le truc qui est fait quand il écrase un ennemi. C'est que faut pas aller trop loin parce que sinon on reste on n'a pas le temps de venir les écraser, du coup on consomme des tas de munitions pour que dalle, ça c'est verrouillé, bon d'accord. Donc on remarque que toutes les portes sont verrouillées, c'est absolument génial.
Je crois que c'était pas par là. Non, c'était pas par là. Je me suis bien perdu. Oui. Dans cette maison, j'adore tourner en rond. C'est ma grande passion. En même temps, vous le savez, dans la plupart des jeux, j'aime tourner en rond. C'est la passion du Kevin, du Raven, tourner en rond. Tiens. On a entendu un coup. Hop. Donc on va ouvrir la porte parce que bah, l'autre était fermée, donc normalement bah, elle l'est toujours. Et puis on va aller par ici voir ce qui a changé. Une petite sauvegarde, c'est... Non, pas le globe, idiot. La sauvegarde, je veux regarder. Huit minutes. Tiens, c'est marrant, j'avais l'impression d'être depuis plus longtemps que ça. Mais comme j'ai dit une fois, ça se trouve, il regarde pas les... Je vérifie que j'ai tout bien exploré, quand même. Ce serait bête de rater quelque chose. Oui, et j'ai tout bien exploré. Et donc, on voit qu'ici, la plaque devant la cheminée est tombée. Donc, on regarde. Et on se rend compte qu'il y a une échelle dans la cheminée, ce qui est, ma foi, tout à fait logique. Bah oui, après tout, pourquoi pas. Donc on trouve une petite plaque rouge qui... va nous être utile bah, tout de suite. Et c'est tout. Et donc on voit une petite tombe qu'on va tout de suite explorer pour voir le nom qu'il y a dessus. Au voir au cas où ce serait pas le nom, ce serait pas celui de Maria. Il y a un emplacement carré au centre de la pierre tombale, et au-dessus un épitaphe soigneusement gravé. Toute joie a disparu avec toi, il ne reste plus que désespoir et lendemain sans intérêt. Mais je n'abandonnerai jamais pour revoir ton sourire, pour supplier la bénédiction des dieux, j'attends ce jour, quand tous seront couverts par les plaques, alors la tristesse aussi sera couverte. Mais tant que mes rêves ne deviendront pas réalité, je devrai supporter la douleur, une clé est encastrée dans la pierre sous l'emplacement. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à la décoller, donc vous devinez ce que ça veut dire, énigme. Et énigme, faut regarder le texte, en gros il disait qu'il fallait tout, il parlait de tout recouvrir, et donc, vous voyez, on a trois plaques avec des trous, et donc faut chercher à agencer ces plaques de sorte à ce qu'il n'y ait plus de, qu'il n'y ait pas de trous qui s'emboîtent, donc qu'on ne voit plus, plaque blanche. On va essayer de placer la plaque. Non. Non, non, non. Je me suis planté, j'ai appuyé sur espace. La plaque est insérée. Non. Déjà, on va mettre la noire et on va voir ce que ça donne. Oh là là, c'est temps de chargement. Ah oui, et donc aussi, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui d'ici là, parce que pendant ce temps, comme j'en suis rendu qu'à la diffusion du 7e épisode où je tourne ça, inséré tel quel. Et donc on voit qu'il y a deux trous qui apparaissent. Ok. Ok, ok, ok. Au moment où, voilà, comme on est rendu qu'au 7e, je sais pas encore, il y a peut-être des personnes qui se demandent pourquoi... On va insérer tel quel. Et on voit qu'il y a un trou qui reste. Mais on voit aussi que vu l'emplacement des trous, je crois que si on l'a fait, on lui fait faire un tour complet, je crois qu'il n'y aura plus de trous. Oui. Je crois qu'il n'y aura plus de trous si jamais on la retourne, on lui fait faire un tour complet à cette brave petite plaque. Donc échappe. Non, je veux pas enlever cette plaque. Donc il y en a peut-être qui se sont demandé pourquoi je fais... Ouais, non, peut-être pas. Ah si, il va y avoir un trou si je la retourne complètement. Peut-être 90 degrés sur la gauche, ça marcherait. Ouais,
On passait en la tournant à 90 degrés sur la gauche. C'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas la gauche. Enfin, j'espère que vous connaissez tous votre gauche et votre droite. Voilà, ça marche. Et donc, je disais... Attendez, on va essayer... Blablabla, on va arrêter de papillonner. Et peut-être qu'il y en a qui auront demandé dans les commentaires. Dans ce cas, bah, je répondrai dans les commentaires de toute façon. Mais je préfère aussi vous dire en vidéo, parce que c'est important, je trouve, de donner mon avis là-dessus. Pourquoi je n'ai pas joué à la version... Pourquoi je n'ai pas fait ce Let's Play avec la version Silent Hill 2 HD? Bah, parce que pour moi, cette version HD est du foutage de gueule. Voilà, déjà, ça c'est dit, c'est fait, c'est clair, c'est net. Pour moi, cette version HD est du foutage de gueule parce que, bah, pour plein de raisons différentes. D'une part, déjà, ils ont enlevé le grain. C'est impossible, je crois, d'avoir... Du moins, je me suis pas intéressé, mais j'ai vu cette version tournée chez un pote qui me disait « Tiens, t'as vu, elle est trop bien, l'image a été améliorée. » Bah, franchement, vous pouvez aller chercher des let's play sur... Je vous conseille d'aller chercher même des let's play sur ce jeu, parce que comparer l'image du jeu avec l'image que j'ai sur ma version PC... Et bah, c'est pas pour dire, mais franchement, la différence est pas flagrante, flagrante. Franchement, HD, voilà. Je pense que on peut parler d'un peu de foutage de gueule pour cela, pour cette HD. Et ensuite. Donc déjà le grain qui a disparu, alors que pour moi j'adore que ça joue à Silent Hill 2 avec j'adore jouer à Silent Hill avec le grain. Et ensuite l'HD qui est pas du tout HD, enfin si, correction. Il y a une version HD si jamais la version auquel t'as joué précédemment est la version PS2. Par rapport aux versions consoles, il y a une énorme différence, Non, il y a une différence notable, certes. Par contre, moi je parle par rapport, bien sûr je suis sur PC, donc je parle par rapport à la version PC, mais qui est sortie approximativement en même temps que la version Director's Cut sur Xbox et PS2, peut-être un an après, mais bon, enfin voilà, quoi, ça fait quand même, je crois que ça fait quand même 7-8 ans, 7 ans, on va dire approximativement 7 ans. Et donc bah y a rien de transcendant. Pour une version y a rien de transcendant pour 7 ans, franchement l'apport fait est franchement minime. Ensuite, je suis paumé, je ne sais plus par quel côté sortir. Non, pourquoi? C'est pas par là, ah peut-être par là. J'espère que c'est pas de là que je viens en fait. Même si je pense qu'il y a des jeux... Ah non, c'est bon, je me suis pas planté. Donc voilà, et donc pour toute cette raison en fait, c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon... Et puis de toute façon, c'est pas pour dire, mais j'ai eu l'occasion de l'essayer chez un copain, la version Silent Hill HD Collection. Eh bien, j'ai préféré rester avec mes versions PC, donc d'une part faire ces let's play sur mes versions PC, et ensuite, pour aller encore plus loin, je ne les ai même pas achetées en gros. Voilà, parce que franchement, je trouve que c'est du foutage de gueule de faire une version HD, pas d'appeler ça une version HD. Le seul intérêt en fait, c'est si vraiment vous les avez pas. Si vraiment vous les avez pas sur PC, PS2, ni rien, bah là, c'est peut-être intéressant. De pouvoir éventuellement les faire un jour, parce que c'est quand même de grands grands jeux de grands monuments du jeu vidéo. Donc là c'est vrai que ça peut tiens être intéressant de les avoir, mais si franchement si vous les avez sur PC, gardez-les sur PC, ils sont très bien, ils sont très 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 bien. Et donc ça vaut pas le coup d'acheter ces versions HD au rabais. Ce qui est d'ailleurs mon avis pour la plupart des remakes HD. Pour moi, de toute façon, ça c'est clair et net, carte d'anniversaire. Qu'on va lire de suite.
Je sais plus, je crois qu'on l'a lu. J'ai oublié de la lire. On va l'examiner parce que j'étais en train de parler donc. Voilà. Examiner. Ah, mon cher papa, joyeux anniversaire de la part d'Annie d'Ami Bald. Blablabla, de la part d'Ami Baldwin. Donc, de la part d'Ami Baldwin. Donc, est-ce que ce serait la fille d'Ernest Baldwin qu'on a croisée derrière sa porte? Donc, on va y retourner de toute façon parce que, Bon, voilà, en plus, elle nous le dit clairement. Et puis donc, eh bien. Donc, c'est à ce moment-là que je pense que je vais vous quitter parce que ça commence à faire un épisode assez long, je pense. Donc, et puis donc, si vous voulez connaître la suite de mon avis sur les remakes, HD qui sortent par pelleté ces derniers temps, et puis la suite éventuellement de l'histoire. Parce que bon, il y a quand même une petite histoire dans ce scénario. Donc, mais c'est vrai que pendant ce temps, je peux en parler pas beaucoup, puisque le truc, c'est que voilà, on se retrouve face à Maria qui rend service à un pauvre monsieur. Donc forcément, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, qui rend service. On se retrouve avec Maria dans une maison, dans une maison abandonnée, enfin abandonnée, où il y a un mec qui se reste caché derrière sa porte. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, ah si, il y a peut-être un truc à dire, c'est qu'à un moment, vous savez, il a dit est-ce la vie, est-ce cet endroit qui est complètement fou ou nous qui sommes complètement fous? Ce qui est, ma foi, est un peu vrai, puisque c'est vrai que comme on l'a vu, Silent Hill, en fait, Silent Hill se crée, enfin l'univers de. Comment dire? Si, d'ailleurs, même Silent Hill, puisque même la ville originale est constituée à partir de ça. Silent Hill, comme on l'a vu avec Angela d'ailleurs, à la fin, donc je crois que j'en parle à ce moment-là, mais Silent Hill se crée autour de la psyché des personnages, donc c'est vrai que si Silent Hill est une ville complètement folle, et à moitié infestée de monstres, c'est aussi parce que la personne qui est dedans a une psyché complètement ravagée. On voit ça avec Angela qui, elle, voit la ville en permanence en train de brûler, qui voit des monstres ressemblant légèrement à. C'est pas pour dire, mais quand même, le monstre Thomas est quand même un peu étrange. On va dire que c'est quand même un peu pervers comme monstre. Mais bon, après, on va passer. Et puis James, alors que James, lui, voit la ville plutôt toute remplie d'eau, complètement moisie, avec des monstres qui évoquent la frustration, l'enfermement. Et puis enfin la frustration, l'enfermement et aussi on va parler un peu de désir avec qui évoque aussi un peu le désir avec merde comment ça s'appelle les mannequins parce que bon une paire de jambes sur une paire de jambes si ça c'est pas une grosse allusion pardon voilà mais bon passons donc la suite du scénario dans le prochain épisode c'est-à-dire dimanche on continue on garde les bonnes habitudes. Et puis donc, eh bien, on ira, dimanche, on ira donc donner la lettre à Ernest et voir comment il réagit. Allez, et puis je donnerai aussi mon avis sur ce que je pense de toutes ces remakes qui sortent un peu en permanence toujours de nos jours. Mais bon, allez, en attendant, je vous dis donc à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Obscure 2 normalement. Allez, bye!